Bonjour, Cyril Hanouna, un chroniqueur qui a de gros ennuis avec la justice. Ce chroniqueur, c'est Karim Zeribi. Karim Zeribi a été condamné en appel pour abus de biens sociaux. Karim Zeribi sort du silence dans TPMP, donc lui qui avait été condamné en 2020 à 2 ans de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et 3 ans de privation de droits civiques et civils, dont éligibilité, eh bien, il a fait appel. Et le truc qui est, on va dire, c'est pas drôle, mais bon, ce que je veux dire, c'est que d'habitude, quand on fait appel, c'est pour avoir une peine moindre. Et là, de 2 ans de prison avec sursis, il est passé à 3 ans de prison. Sur les 50 000 euros d'amende, il est passé à 80 000 euros d'amende. Sur les 3 ans de privation, eh bien, il est passé à 5 ans de privation. Et en plus, ils ont rajouté un truc, ils ont rajouté 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise, ça c'est voilà, plus la confiscation en valeur de son domicile à concurrence de 100 000, de 100 000, quoi, 109 000 euros. Donc, bon, alors je ne sais pas ce qu'on lui reproche vraiment, donc voilà, donc abus de biens sociaux, etc., etc., je ne sais pas. Donc hier, donc, dans l'émission, il est venu plaider sa cause. Je ne sais pas si ça peut plaire à la justice qu'il puisse parler de ses problèmes comme ça à la télévision. Mais bon, je trouve que eh bien, ça la fout mal quand on est chroniqueur à TPMP. Après, quand il va se retrouver face à une personne pour donner son point de vue, je pense que la personne en face va lui dire, attendez, moi je suis pas condamné, etc., etc. Donc ça sent mauvais pour lui. Allez, je vous dis à plus tard, les enfants de potin. Bye bye.